Je vous propose que nous commencions cette conférence. Je remercie donc Fanny, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent dans l'amphithéâtre, puisqu'elle a enseigné pendant 4 années, ici à Strasbourg, et qu'elle a accepté donc très aimablement de venir jusqu'à nous de nouveau pour nous présenter l'ouvrage qu'elle vient donc de publier aux éditions Métis Press sur l'ordre électrique. Je pense que vous savez qu'elle travaille de longue date sur ces questions-là, puisque sa thèse l'avait déjà occupée, sa thèse soutenue en 2010 l'avait déjà occupée en partie sur ces questions, et avait été publiée en 2014 sous le titre « Le rêve d'une déconnexion de la maison autonome à la cité auto-énergétique ». Et depuis, donc, elle a continué à travailler sur ces questions d'infrastructure et de réseau, avec les mises en question que suppose le développement aujourd'hui de mini-réseaux et de mini-centrales, ce qu'elle va nous exposer aujourd'hui. Je la remercie beaucoup d'être venue. C'est un plaisir de la recevoir à nouveau. Et donc, je lui cède la parole. Alors oui, merci Anne-Marie pour la petite présentation, merci pour l'invitation, merci d'avoir résisté au soleil sur les quais pour venir vous enfermer ici. Alors je vais vous parler effectivement de ce texte qui vient de sortir, de cet ouvrage aux éditions Métis Press, qui est sorti en février, début février. Alors c'est jamais évident de parler d'un livre parce que c'est un contenu assez dense, donc je vais vous faire une petite introduction un peu générale sur la thématique, et puis j'ai retenu 4 entrées un petit peu problématiques qui sont des thématiques un petit peu transversales. Je ne fais pas une présentation par chapitre, je pense que ce serait été assez ennuyeux. Alors pour peut-être rappeler un peu moi ce que je fais, moi mes travaux porte plutôt sur l'histoire et les théories des infrastructures énergétiques, leur lien avec les disciplines de l'aménagement, un peu au croisement de l'histoire de l'environnement, de l'histoire des techniques et de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Alors, sans faire la généalogie de mes travaux, juste, Anne-Marie, tu parlais de la thèse, et je le reprécise juste parce que ce livre, on pourrait dire que c'est la suite directement. Alors, je vous ai mis la couverture qui est intéressante pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une couverture ratée, hein, des fois il y a des ratages au niveau éditorial, donc là c'est le cas. On le voit peut-être pas comme ça, mais le dos carré, si vous le regardez bien, est absolument illisible. Donc c'est déjà, d'un point de vue éditorial, c'est intéressant. C'est un ouvrage d'histoire autour de la notion d'autonomie énergétique. C'est une sorte d'introspection un peu disciplinaire autour de la question des services énergétiques urbains, de leur lien avec la discipline, architecture et l'urbanisme. Et donc il y a une première partie qui explore un certain nombre de projets. Alors peut-être c'est important de dire aussi que quand je me suis engagée dans cette thèse, c'était au début des années 2000, c'est aussi le moment où les questions relatives au développement durable et à l'environnement devenaient assez fortes au sein de la profession architecturale, et c'était une façon de chercher un peu des antécédents conceptuels et expérimentaux un peu radicaux autour notamment du concept d'autonomie énergétique. Donc toute la première partie, c'est une mise en perspective historique. Donc il y a des projets notamment d'un ingénieur qui s'appelle John Adolphus Hetzeler, qui travaille sur des colonies auto-énergétiques aux États-Unis dans les années 1850, le Beret Schmidt dans les années 1910 en Allemagne, un architecte qui travaille sur des lotissements autosuffisants, et puis ensuite une décennie d'études, période 70-80, donc là qui est la période, disons, un peu la plus connue qui est autour de ces questions, qui explore un peu ce mouvement de l'autonomie énergétique, avec d'un côté des projets qui viennent de la contre-culture américaine et de l'autre côté des projets plus institutionnels. Mais je ne fais pas l'histoire de ça ici, mais c'était juste important de dire que l'ouvrage s'arrête dans les années 80, donc quand tout commence, on pourrait dire quand tout commence en tout cas pour les questions environnementales, puisque le rapport Brundtland, c'est 1987, le moment où un certain nombre de villes européennes vont se lancer avec la charte d'Aalborg dans l'édification des premiers grands écoquartiers, par exemple, qui feront la une de la presse architecturale, etc. C'est dans les années 90, etc. Donc c'était une façon de questionner un peu historiquement ce sujet, et donc l'ouvrage s'arrête aux années 80. Donc j'ai voulu poursuivre, alors je vous ai mis ça pourquoi, parce que j'aime bien, c'est une sorte de petite tapisserie comme ça, de projets ou d'extraits de projets qui font partie de ce premier livre, dessiné, réalisé, pensé par des architectes, un certain nombre d'objets qui ont un trait avec l'histoire de l'énergie. Et donc ce deuxième ouvrage, qui s'appelle « L'ordre électrique »,
propose une histoire des infrastructures électriques, pour le dire un peu simplement, et de leurs effets sur le territoire. Et si on se met un petit peu en plan, le point de départ, c'est les réseaux de services urbains, on pourrait dire, hein, la matrice infrastructurelle qui maille le territoire, qui a apporté de formidables améliorations en termes de confort, de qualité de vie, etc., à la fin du 19e, au début surtout, et au milieu du 20e siècle. Ce modèle des grands réseaux de services, c'est un modèle hein, qui a été conçu à une période de croissance, pour la croissance par ailleurs aussi, selon des logiques industrielles qui utilisaient majoritairement des énergies non renouvelables. Alors, l'exemple ici, ça ne marche pas puisque c'est de l'hydraulique, ça fait partie des énergies renouvelables, mais derrière, vous avez le centre nucléaire de Tricastin, je reviendrai tout à l'heure sur cette image. Donc ces grands réseaux de services, cette matrice infrastructurelle qui a fait le territoire, qui a rendu le territoire productif d'une certaine façon, connaît depuis la fin des années 90, début des années 2000, un certain nombre de crises. On y reviendra aussi. En tout cas, ces grandes infrastructures ont modifié, on pourrait dire, hein, de façon durable le territoire et plus largement le régime géologique de la Terre, hein, qui est qualifié par la notion de capitalocène. C'est une notion qui vient radicaliser un peu la notion d'anthropocène, hein, puisque c'est pas juste l'anthropos, l'humain, mais plutôt un système économique, industriel, etc., qui a, disons, a été un agent de transformation du système Terre. Donc cette matrice infrastructurelle véhicule des modes de consommation, hein, les infrastructures énergétiques véhiculent des modes de consommation, de production, un modèle économique, un rapport aux ressources qui se trouve aujourd'hui un petit peu en crise. Et tout ça impacte aussi fortement le territoire. Alors cette couverture, effectivement, c'est la couverture du livre. C'est le barrage de la Donzère, qui est le plus productif du Rhône, qui est réalisé en 1952 par un architecte qui s'appelle Théo Sardnal, qui est un élève d'Auguste Perret, qui sera inscrit au titre des monuments historiques en 1992. C'est un des grands aménagements hydrauliques des Trente Glorieuses. Et derrière, on voit le centre nucléaire de Tricastin, donc 6 000 hectares, là, qui ont été édifiés une dizaine d'années après ce barrage, donc en 1961. C'est un site nucléaire sur lequel il y a de la production, mais aussi tout un tas d'activités liées à la recherche nucléaire. Et il y a eu bien sûr un certain nombre d'incidents, puisque c'est la troisième plus vieille centrale du parc français. Et puis derrière, sur le même plan finalement, puisque c'est implanté sur le foncier d'EDF, on voit des éoliennes qui, elles, ont été ajoutées au début des années 2000 et qui témoignent des efforts, des effets d'EDF en termes de production d'ENR. Donc il y a ici une sorte de superposition infrastructurelle, d'épaisseur un petit peu, qui nous raconte aussi, qui symbolise finalement l'accroissement de nos consommations, hein, quelques décennies d'intervalle, et une sorte de densification comme ça énergétique sur une section territoriale. Donc ça m'intéressait, cette image, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est jamais trop évident des images de couverture. C'est une photo que j'avais prise avec mon téléphone en vacances dans ce coin-là, c'était très joli. Après un nouvel an, comme quoi on peut voir clair après un nouvel an. Et donc ça donne une couverture. Donc l'ordre électrique, il y a un mot sur le titre aussi, puisque la notion d'ordre... généralement, hein, dans l'histoire de l'architecture, est plutôt rattaché à des considérations stylistiques. Hein, vous connaissez ça tous par cœur, hein, l'ordre dorique, ionique, corinthien, ça nous renvoie à ce système des ordres, un langage, le langage classique de l'architecture. Et on pourrait dire que fin 19e, début du 20e siècle, il y a un ordre énergétique qui vient non pas se superposer, mais peut-être dans une moindre mesure, très fortement, impacter la culture de l'édification, toute échelle confondue, hein, sans électricité, sans les systèmes de climatisation, de chauffage, etc. Le mur rideau n'aurait probablement jamais existé. Et bien d'autres innovations constructives et architecturales. Et c'est notamment Rainer Banham qui raconte ça très bien dans son ouvrage « L'histoire de l'architecture dans l'environnement bien tempéré », publié en 69. Donc ça faisait, voilà, ce terme ordre référence un petit peu à l'histoire de notre discipline. Et puis ça faisait aussi écho à cette citation que j'avais trouvée intéressante de Louis Kahn, je l'ai mis. « Il y a dans la ville des architectures inexplorées. L'architecture de l'ordre est inexplorée. Pourquoi faut-il que les réservoirs... » Alors, il parle de l'eau, hein,
le bouquin est plutôt concentré sur l'électricité, sur l'histoire de l'électricité, mais il y a un certain nombre de parallèles avec tout un tas d'autres ressources et tout un tas d'autres systèmes techniques qui organisent les ressources. Donc ici pour l'eau, je reprends. Pourquoi faut-il que les réservoirs soient si éloignés et que les parties d'une chose soient séparées par de si grandes distances? Nous devons porter une attention prioritaire à l'eau parce que l'eau devient de plus en plus précieuse. Il faut pour l'eau une sorte d'ordre. L'eau qui est dans la source et celle qui alimente la climatisation n'ont pas besoin d'être la même que celle que nous buvons. Donc ici la notion d'ordre renvoie au fait de faire remonter la considération qu'on a pour les ressources, avec l'idée que le souci environnemental participe à créer une nouvelle hiérarchie, hein, on pourrait dire une attention pour la ressource, qui passe aussi d'une certaine façon par un soin architectural, puisque l'architecture hein, permet la mise en visibilité, la monumentalisation parfois de la ressource. Et puis la notion d'ordre, hein, c'est dans un sens aussi presque plus politique, hein, militaire, que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'ingénierie, hein, du militaire au civil, hein, c'est la fabrique productive, virilistes, on pourrait rajouter du territoire, hein, donc là c'est tous les rapports technologie et politique qui sont aussi à l'intérieur de ce terme. Donc voilà pour cette introduction un petit peu qui vous permet de comprendre un peu, j'espère, l'entrée un peu et la thématique générale. Et alors j'ai choisi 4 thèmes, ah oui, je vous ai même mis des petits points et tout, pour vous raconter tout ça. Il y a six chapitres dans l'ouvrage et j'ai choisi 4 thématiques transversales qui sont transversales à ces 6 chapitres pour parler de ce livre. Donc l'urbanisme des grands réseaux, montrer ou cacher, architecturer les objets d'énergie, crise des infrastructures et transformer les infrastructures. Alors je détaillerai moins le premier point que les suivants. On pourrait dire qu'il y a un modèle d'aménagement, de spatialisation, de territorialisation qui correspond à l'équipement énergétique du territoire. Les infrastructures sont la colonne vertébrale des territoires. Les échangeurs autoroutiers, alors je vous ai mis, j'aime beaucoup cette image, aussi parce que enfin, la ville de Barcelone, en termes de réaménagement infrastructuraux, a été d'ailleurs reconnue dans l'histoire de l'architecture, notamment autour des infrastructures routières, comme ayant fait tout un tas d'aménagements assez mémorables dans les années 90-2000. Et vous avez ici le parc Nus de la Trinidad, qui est un parc à l'intérieur d'un échangeur autoroutier. Et vous avez la centrale Sant'Andrea de Besós, qui est juste devant, sur le front de mer, côté est, on est à l'est du port de Barcelone, et donc on voit ici un territoire maillé par les infrastructures. Donc les échangeurs autoroutiers, les centrales énergétiques, les réseaux viaires, etc., rendent le monde transversable, consommable, praticable. Ces réseaux ont été déterminants pour la croissance et le progrès, ils ont été le support du déploiement économique du capitalisme depuis la fin du XVIIe siècle. Alors je vous ai mis aussi cette carte de Fernand Braudel sur la question de la circulation et des réseaux, qui illustre un peu cette idée. On pourrait citer tout un tas d'auteurs qui ont déjà évoqué ces questions. Hein. C'est encore Alexis de Tocqueville qui, dans La démocratie en Amérique, un chapitre sur les monuments américains, nous disait la modernité, enfin, nous disait le monument de notre modernité est technique, hein, sera technique, donc on pourrait dire la modernité et infrastructurelle, avec tous les guillemets que ça suppose. Mais en tout cas, il y a cette idée, hein, que tracer des routes, équiper, c'est maîtriser le territoire, le rendre productif, etc. Les historiens et historiennes des techniques ont généralement découpé les grandes infrastructures en 3 familles. Hein. Il y a le transport d'un côté, hein, la famille des réseaux techniques territoriaux peut se découper en 3 grandes catégories, tout ce qui est transport, routier, maritime, ferroviaire, aérien, et on pourrait rajouter les corridors animaliers aussi. Ensuite, deuxième point, l'énergie et les ressources, hein, donc deuxième grande famille qui comprend l'eau et l'assainissement, le gaz, la vapeur, l'électricité. Et puis troisième grande famille, l'information et la communication, donc téléphone, système informatique aujourd'hui, hein, des centraux téléphoniques au data center, on pourrait dire. Dans nos pays industriels du Nord, l'organisation des services de première nécessité s'est progressivement structurée en réseau de grande échelle, prenant une place centrale dans les processus d'urbanisation de la fin du 19e,
On pourrait dire que le 19e est le siècle de l'équipement du territoire et de l'ingénierie. Ils ont été un levier de l'aménagement, de ce que Fressos et Bonneuil appellent de l'idéal modernisateur. Et alors, cette notion de grand système technique, c'est une notion qui est assez établie dans l'histoire des techniques. Et les historiens et historiennes américains ont créé une notion, c'est large technical system. Il y a tout un tas de publications qui ont été faites là-dessus. Alors, je vous ai mis notamment parmi ceux qui ont beaucoup participé à définir et à établir ce terme, Thomas Parks Hughes et Renate Mentz aussi, également. Donc, cette notion de LTS, on pourrait dire Large Technical System ou Macro Système Technique, qui compose la technostructure du capitalisme du XXe siècle. Donc la spécificité de ces grands systèmes techniques, ils nous disent, ça peut autant être pour le système ferroviaire que pour le système électrique, mais c'est un système, un régime socio-technique de très très grande échelle, qui a une propension à l'accroissement, qui fonctionne essentiellement sur la centralisation, avec une complexification au fil de son histoire et tout un réseau aussi d'experts qui font fonctionner de ces grands systèmes techniques, une certaine opacité aussi dans son fonctionnement, etc. En France, c'est un socio-anthropologue qui s'appelle Alain Gras qui a travaillé sur cette notion, qu'il a traduit par notion de macro-système technique. Donc c'est assez éclairant, et c'est aussi éclairant parce que on peut regarder de quelle façon ce terme se transpose, nous, dans notre discipline. Donc est-ce qu'on peut parler d'un urbanisme LTS, d'un urbanisme grand système technique? Et c'est un peu l'hypothèse que j'ai faite. Donc c'est ça, c'est l'urbanisme des grands réseaux. Et puis je vous ai mis aussi l'ouvrage de Gabriel Dupuis, pour ceux qui s'intéressent aux questions d'ingénierie de réseau, qui fait partie des classiques un peu de la discipline, qui avait fait beaucoup de bruit quand il était sorti dans les années 90. Je ne m'attarde pas trop sur ces textes, mais c'était pour poser un peu ce terme de grand système technique, large technical system, et cette idée que ces grands systèmes techniques induisent un urbanisme, LTS, qui, en invisibilisant le rapport aux ressources, a rendu aussi d'autant plus complexe leur déconstruction culturelle et technique. Et l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, cette histoire a été façonnée par cette culture LTS, dont les infrastructures ont été progressivement et majoritairement éloignées des zones habitées. Ces grandes infrastructures, si on revient sur ces grandes infrastructures, elles ont aussi des échelles spécifiques. Alors j'ai pris ici l'exemple de l'implantation d'une centrale nucléaire, je ne sais pas si c'est Panuel ou je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est l'échelle de la maquette, on voit bien que c'est des manipulations à l'échelle territoriale, des centaines d'hectares qui sont transformés, mobilisés, déployés. Donc tout ça pour dire que ces grandes infrastructures modernes sont des organismes spatiaux très spécifiques, c'est un système fonctionnel territorialisé, qui se présente avec des caractères fortement marqués. On pourrait prendre l'exemple d'une centrale nucléaire, mais aussi du port, qui fait partie des établissements fonciers parmi les plus vastes, et donc peu d'organismes, ou en tout cas d'objets, mettent en œuvre un foncier d'aussi vaste dimension, avec également une variété fonctionnelle, puisqu'il y a des activités logistiques, il n'y a pas juste la centrale et le site de production, mais il y a aussi tout un tas de c'est une échelle urbaine, en quelque sorte, avec une forte activité logistique, des espaces de travail, etc. etc. Donc il y a une complexité fonctionnelle dans ces grands espaces infrastructuraux. C'est pas juste des infrastructures qui viennent perturber le territoire dans lequel elles s'implantent, mais elles sont en elles-mêmes des organismes spatiaux très, très spécifiques. Donc voilà, ça c'était le premier point, l'urbanisme LTS. J'ai repris un peu la présentation que j'avais fait dans une librairie il y a 2-3 semaines, donc j'improvise un peu aussi, un peu comme ça, mais c'est sympathique. Et puis ensuite ça, ah oui, alors ça c'est le deuxième point, montrer et cacher architecture et infrastructure. Donc le premier, l'urbanisme LTS, vous avez compris. Deuxième point, montrer et cacher architecture et infrastructure. On était plus précédemment à une échelle territoriale et urbaine, c'était aussi pour discuter de la façon dont
l'implantation de ces grandes infrastructures avec ces grandes dimensions avait aussi créé des processus d'invisibilisation entre les lieux de production et les lieux de consommation, donc une sorte aussi d'éloignement, et ça aussi c'est une question assez fondamentale, puisque aujourd'hui on pourrait dire qu'on essaie justement de venir rapprocher, et tout ça a des impacts aussi politiques assez forts. Alors ça c'est donc deuxième point, montré et caché, architecture et infrastructure. Là on est plus sur les objets architecturaux. L'architecture participe à mettre en visibilité ou à invisibiliser les infrastructures. Les objets de l'énergie portent des discours, des discours, des choix de consommation, de production, que l'architecture rend intelligible. On a tendance, ou on pourrait croire, que les infrastructures, notamment électriques, sont longtemps restées enfermées dans le monde de la technique, attachées au domaine du génie civil, de l'ingénierie, ou militaire, comme si la ville, édifice, rue, place, monument, tout ce qui la caractérise, existait sans elle. Enfin, une sorte des infrastructures fonctionnent peut-être un peu dans l'imaginaire collectif comme une sorte de négatif, un petit peu, une arrière-cour de la modernité. Et puis, les préoccupations environnementales ont participé à renouveler un peu le regard, ou en tout cas à aller chercher, à aller voir, à aller comprendre, etc. Alors, elles ont souvent présenté un enjeu architectural, voire urbain, assez majeur. Et l'histoire de la matérialité bâtie de l'électricité, elle existe. Il y a un certain nombre d'historiens et d'historiennes qui ont travaillé sur ces sujets, sur ces objets. Pour ceux que ça intéresse, il y a l'ouvrage « Architecture de l'électricité » qui date de 92, qui fait un état des lieux assez intéressant avec pas mal de références. Bouvier aussi travaille pas mal sur ces questions, surtout sur l'hydroélectricité. Donc l'analyse des formes construites de l'infrastructure électrique montre que depuis la fin du 19e, les bâtisseurs et les bâtisseuses ont hésité à la fois dans les choix stylistiques, mais aussi dans la stratégie de mise en visibilité de certaines centrales. Alors souvent c'est des objets qui sont fumants ou sonores, ça dépend. Et les centrales ont un temps été un peu déguisées, camouflées, on pourrait dire, prenant parfois la forme du monastère. Alors, il y a une belle image ici, mais que j'ai pas. On a une façade de monastère. En fait, c'est une centrale électrique. Ici, vous avez l'usine hydroélectrique qui a été réalisée en 1906 par un architecte italien qui s'appelle Moretto, et qui emprunte là dans un style, on pourrait dire quoi, néo-médiéval, romantisme lombard. Enfin, il faudrait voir comment on caractérise précisément ça, mais un peu des formes qui reprennent l'image de la façade du château fort, par exemple. Les centrales ont aussi été présentées comme des hauts lieux de l'innovation constructive dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Ce sont les célèbres réalisations, alors qui sont par ailleurs, il y a l'usine de Bercy, mais on a aussi des sous-stations électriques de Paul Friese qui sont très bien intégrées au tissu urbain. Ici, rue des Dames à Paris, dans le 18e arrondissement, qui reprend un peu la façade de l'immeuble de bureau. Et puis, c'est une usine de production, une sous-station électrique peut-être. Donc, innovation constructive, à la fois camouflage, mais aussi des objets qui relèvent un peu, on pourrait dire, des architectures un peu cathédrales, qui étaient présentées telles quelles dans la presse. En tout cas, les édifices électriques adoptent une architecture grandiose, que ce soit en France, comme en Allemagne, en Espagne, en Italie. Enfin, on retrouve beaucoup d'exemples en Europe, et je vous ai mis un des objets célèbres aussi de l'histoire de l'architecture, Peter Behrens. À Berlin, avec la Turbine Factory. Au fil du XXe siècle, la croissance de la vie électrique est exponentielle, et ces unités vont progressivement se démultiplier, se déployer, avec des choix esthétiques qui ne seront pas toujours... parfois, il n'y a tout simplement pas d'architecture, mais parfois, il y en aura. Notamment, EDF va être assez soucieux de ces questions. La question de l'esthétique et de la monumentalisation va être au centre, notamment de... Vous savez, EDF s'est nationalisé en 1946. Après 1945, c'est la finalisation des grands barrages hydroélectriques alpins. Alors, je ne vous ai pas mis les images, mais Tignes, Serre-Ponçon, enfin, il y en a tout un tas. Et les centrales hydroélectriques
et thermique ensuite. Hein, la centrale de Porcheville et de Vitry sont considérées par EDF comme étant parmi les plus beaux ensembles architecturaux de la période des centrales thermiques, pour celle de Vitry et de Porcheville. Donc il y a un vrai souci, en tout cas, de la part d'un opérateur historique français, EDF. Hein, c'est assez intéressant de voir la politique architecture d'EDF, notamment vis-à-vis de ces objets. Je vous ai mis la revue Architecture d'aujourd'hui, en 1967, qui c'est un numéro consacré, dédié aux objets de l'industrie. En première page, c'est la raffinerie de Normandie, mais à l'intérieur, on retrouve un certain nombre d'objets. Donc la centrale d'Arrigui réalisée par Pingusson, en bas, la centrale thermique de Porcheville, qui sont toutes les deux en cours de démantèlement et d'arrêt par ailleurs. Donc c'est aujourd'hui la question de l'obsolescence d'un certain nombre de ces objets techniques se pose, avec toutes les questions aussi relatives à leur patrimonialisation ou pas. En tout cas, à travers l'architecture de ces objets, hein, c'est un peu cette idée que la modernité se montre, s'assume, elle doit convaincre d'une certaine façon et persuader, et l'architecture aide, hein, et c'est aussi la question de l'échelle qui est centrale, puisque le gigantisme technique et la grandeur associée à ces pouvoirs, hein, les pouvoirs de la grandeur et du gigantisme, impose, on pourrait dire, un silence et des incertitudes. On a l'impression que ces infrastructures, quand on voit ces grands barrages, sont extrêmement pérennes. Comment aujourd'hui penser ou déconstruire ces objets? Donc il y a cette idée aussi que l'échelle de l'infrastructure impose un certain nombre de certitudes. Je parlais d'EDF tout à l'heure, je vous ai mis quoi? Ah oui, je vous ai mis ça, alors ça c'est génial, je pourrais vous en parler pendant une heure. La politique architecture d'EDF, notamment autour du nucléaire, on dit souvent que EDF a inventé le tourisme industriel en France, l'entreprise est très soucieuse, hein, dès les années 1950, d'ouvrir ses chantiers de construction, de les ouvrir à la visite, de les faire visiter, absolument. C'est aussi pour calmer les luttes contre les grands chantiers d'infrastructures, de barrages, qui suscitaient tout un tas d'oppositions dans les populations concernées. On avait aussi des micro-ZADs au moment de l'édification du barrage de Donzère et tout un tas d'autres chantiers d'infrastructures. Donc il y a vraiment un enjeu en termes de communication. Et ici, vous avez le belvédère de Chinon. Donc la centrale de Chinon, elle date de 1961. C'est la centrale nucléaire de Chinon. Et la première chose qui est construite à Chinon, c'est le belvédère pour pouvoir regarder le chantier. Donc on est vraiment à la lisière du site, à l'entrée. Aujourd'hui, il a été détruit, puisque avec les plans Vigipirate, les accidents, Three Mile Island en 79, Tchernobyl, etc., ce sont devenus des sortes de no man's land hyper protégés, et tout le système des accès a été complètement bouleversé. Mais au tout début du chantier, donc on construit ce belvédère, c'est Pierre Dufaux qui l'a dessiné, et qui avait aussi dessiné une immense sphère, qu'il y avait sur le site de la centrale de Chinon, puisque la centrale de Chinon a développé... il y avait trois filières, ou en tout cas trois techniques nucléaires, notamment une filière graphite-gaz qui a été abandonnée très vite. Donc c'est cette immense sphère de Pierre Dufaux qui a été réalisée. C'est un réacteur qui a été dépollué, hop, et qui a été transformé en musée de l'atome. Alors, je crois qu'il y a eu 2-3 fuites, parce qu'ils l'ont arrêté entre 2010 et 2013 pour refaire un certain nombre de vérifications en termes de sécurité. Mais aujourd'hui, un ancien réacteur a été transformé en musée de l'atome. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant et paradoxal, puisque sur un site nucléaire encore en activité, qui pose tout un tas de questions vis-à-vis de son futur, on a à la fois une section du site qui est patrimonialisée, et de l'autre, qui est un site qui est encore productif. Ça, c'est aujourd'hui. Si on revient au début de l'histoire, donc ce belvédère, ce souci, EDF l'a eu tout au long, finalement, de l'histoire de ces grands chantiers. Et un certain nombre de chantiers qui sont lancés dans les années, les premiers chantiers du nucléaire, ici notamment, le chantier était ouvert au public tous les premiers dimanches du mois, il y avait des visites, etc. Donc au-delà des recherches qui concernent l'ordonnancement, le plan masse qui mobilise des architectes, etc., il s'agit aussi de rassurer la population. Alors c'est Audrey Jeanroy qui a fait sa thèse, une thèse assez monographique sur Claude Parent, et qui a développé tout un chapitre et toute une section sur Claude Parent et le nucléaire, puisque EDF lance en 1974 le collège du nucléaire, hein, EDF lance un plan architecture et demande à Claude Parent de le piloter. On retrouve Paul Andreu, tout un tas de grandes figures de l'architecture
des infrastructures qui sont mobilisées autour de ça. Et donc tout ce petit monde nous dessine un futur merveilleux, mais qui est très sincère, et c'est assez intéressant quand on va dans les archives d'EDF et qu'on essaie de lire et de comprendre tout ça. Il y avait un vrai souci d'essayer de penser une coexistence. Alors vous avez la citation, est-ce que je la lis ou pas? Non, mais vous avez compris. Et c'est l'architecte Pierre Dufaux aussi, ça c'était très marrant, qui au moment de l'édification de la centrale de Paluel, j'avais lu ça dans un entretien, ils avaient programmé une mare aux canards à l'entrée du site. Et ça c'était hyper important, puisque bah, la mare aux canards et la santé des canards, bah, en fait, ça racontait quelque chose aussi sur bah, la santé publique, sur la santé des gens qui y travaillent. Donc il y a aussi tout ce parallèle. Donc relier, aménager, naturaliser, humaniser les abords, c'est un impératif assez majeur. Donc là, il y a toute la fabrique d'une proximité bienveillante. Hein, aujourd'hui, on voit ça. Et même d'ailleurs, dans les années 70, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de naïveté, alors c'est pas le terme, mais en tout cas de volonté de réaliser ça. C'est aussi une période où on a tout un tas de discours fondés très critiques sur les risques et les pollutions du nucléaire. C'est une historienne des techniques et de l'environnement qui s'appelle Céline Topscu qui a fait un super ouvrage qui s'appelle La France nucléaire et qui montre de quelle façon l'ensemble des alertes, des questionnements ont été systématiquement dépolitisés, marginalisés, etc. On va faire une parenthèse. Donc cette période du nucléaire vient aussi témoigner de ce souci architectural, mais aussi territorial, de penser ces objets de l'énergie. Donc ça, c'est ce deuxième point, montrer ou cacher, architecturer les infrastructures. Et le nucléaire a aussi inauguré en France, on pourrait dire, une sorte de soucis. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des éco-parcs industriels. On avait des projets. Alors, après les années 80, tout ça s'est assez vite effondré, mais il en reste quelques-uns. Mais l'idée, c'était de récupérer la chaleur des centrales, de créer de la pisciculture. C'était assez... assez intéressant. Et puis, les accidents, Three Mile Island, Tchernobyl, etc. C'est autre chose. Donc la montée des préoccupations environnementales aussi va finir cette parenthèse. J'avais écrit un article là-dessus qui s'appelait Les touristes du nucléaire, l'attractivité des sites EDF, qui refait un peu le point où qui raconte cette histoire et qui est dans l'ouvrage d'ailleurs aussi, et qui était un chapitre qui s'appelle Les monuments du capitalisme électrique, donc une sorte un peu de lecture un peu critique et qui s'attarde notamment sur les objets du nucléaire. Ensuite, mon troisième point, crise des infrastructures. Crise des infrastructures, alors finalement avec le nucléaire on arrive à une transition assez évidente et facile, à la fois au milieu des années 80, la montée ou la popularisation des préoccupations environnementales, les accidents, la critique de l'hétérodoxie technique moderne qui donne lieu à un certain nombre d'autres discours sur les énergies renouvelables, etc. Et on peut dire que la crise des infrastructures, elle peut être analysée selon trois axes. Il y a une crise des infrastructures dont on voit un certain nombre de signaux, de publications, de colloques, etc., qu'on arrive à dater au tournant des années 80-90, et on peut l'analyser selon trois axes. On pourrait dire le premier axe de la crise des infrastructures, c'est un axe qui est environnemental, puisque ces grands systèmes techniques ont pendant longtemps reposé sur ce qu'on appelle un échange écologique inégal, qui a majoritairement fait de la destruction des milieux de vie, mais aussi de l'extractivisme, de la pollution et des risques associés, une constante de leur développement. Donc il y a une histoire critique et environnementale des infrastructures qui émergent, qui correspond à une situation de crise des infrastructures de notre modernité, dont les premières centrales, notamment électriques, ont plus d'un siècle. Je ne parle pas de celle du nucléaire, mais en tout cas de la pensée de l'objet de la centrale électrique. Et aujourd'hui d'ailleurs on le voit, puisqu'il y a un profond mouvement de réappropriation et de reconfiguration des territoires ressources qui est à l'œuvre,
hein, la question des ressources, du sol, on le voit notamment dans les écoles d'architecture, ça fait quoi, une petite dizaine d'années, mais que c'est des sujets qui sont très fortement montés, enfin, depuis le Grenelle, etc., vous savez, tout ça. Donc, fort mouvement de réappropriation, de reconfiguration de ces territoires ressources, qui questionne à la fois ce qui nous permet de subsister, parce qu'en fait tout ça finalement c'est des questions liées à la subsistance, hein, puisque les infrastructures sont les objets vecteurs d'un certain nombre de services qui sont essentiels à la vie quotidienne, hein, la gestion de l'eau, des déchets, l'assainissement, etc. Ça renvoie à la question des nécessités vitales. Donc ces infrastructures, hein, posent la question de ce qui nous permet de subsister, hein, donc quelles infrastructures et sur quel territoire, puisque nombreux sont fortement pollués, endommagés. Je vous ai mis ici une référence d'une anthropologue qui enseigne à Santa Cruz, qui s'appelle Anat Singh, c'est un ouvrage collectif, l'art de vivre sur une planète endommagée, hein, donc ce serait quoi une architecture de la réparation, de la reconstruction, ça pose aussi un peu toutes ces questions, hein, donc sur ces territoires, hein, comment habiter et construire des territoires pollués. C'est un ouvrage qui rassemble plutôt des gens qui viennent de l'anthropologie et des historiens et historiennes de l'environnement, mais qui fait partie des textes qui nous permettent aussi de mieux penser notre discipline. Donc ces préoccupations environnementales, elles ont une ancienneté, on pourrait revenir au débat sur le regional planning dans les années 20, enfin c'est des questions qui sont anciennes dans l'histoire de l'architecture, l'environnemental design anglo-saxon, enfin il y a tout un tas de choses, mais ces mouvements ne regardaient pas tant que ça les infrastructures en tant qu'objet. Hein. Ça, c'est quelque chose de plus récent, on pourrait dire. Hein. C'est Catherine Momy aussi qui travaille sur une histoire de la pensée décentralisatrice dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Catherine Momy, elle est professeure, elle enseigne à Grenoble, elle dirige le laboratoire de l'école de Grenoble. Et il y a deux colloques là qui ont été réalisés, la pensée décentralisatrice dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, je ne sais plus trop quel était le terme, en tout cas ça va donner lieu à un ouvrage collectif, et ça vise un peu à faire le point, ou une sorte d'introspection disciplinaire autour, enfin, en tout cas dans la théorie urbaine, pour faire émerger, ou en tout cas pour essayer de reconstituer une généalogie autour d'un souci de relocalisation des ressources, etc. Donc là, il y a une association, ou en tout cas un souci, hein, dans cet axe environnemental, d'associer les questions environnementales avec un souci infrastructurel, puisque les infrastructures, hein, et même la dimension infrastructurelle des conflits environnementaux, c'est un axe central de l'écologie politique, hein, depuis la fin du 18e, et on voit tout ça aussi assez bien avec le mouvement des ZAD. Alors je vous ai mis l'ouvrage, la couverture d'un ouvrage d'un étudiant qui s'appelle Baptiste Martin, que vous connaissez probablement, qui avait fait son mémoire sur la ZAD en 2013, je me souviens. Il a passé pas mal de temps là-bas, il fait tout un tas de choses, et il a travaillé, et finalement il a transformé ce travail de master en publication, donc je vous l'ai mis ici. Donc crise des infrastructures, hein. Crise des infrastructures, premier axe, premier point d'entrée pour lire cette crise, l'axe environnemental. On pourrait dire que c'est une sorte de guerre aussi, tout simplement, hein, culturelle, idéologique. Hein, et c'est comme ça qu'on peut lire les oppositions contre l'aménagement de grands projets d'infrastructures, hein, puisque c'est bien d'infrastructures dont il s'agit dans le phénomène des ZAD. Hein, c'est ces infrastructures qui sont au centre, ici et de plus en plus, de la politisation des questions écologiques. Et les luttes qui se jouent sur ces ZAD, hein, le Notre-Dame-des-Landes ou de Bure, hein, on pourrait dire, spatialisent avec une forte de clarté et de radicalité peut-être aussi nécessaire, hein, l'enjeu peut-être de notre 21e siècle, hein, une reprise de territoire contre les soubresauts d'un projet infrastructurel modernisateur, hein, ça c'est le terme de Fressos et Bonneuil, un nouvel aéroport ou un centre d'enfouissement des déchets. Et alors, ce bon toc-tac, c'était la carte que Baptiste Martin avait réalisée. Ah oui, c'est un article du Monde il y a 2-3 jours. Le malaise grandissant des zones. Des jeunes ingénieurs face au climat, comment ces questions environnementales rentrent dans les écoles, hein, des ponts et chaussées, enfin de tous ceux qui font et qui pensent les grandes infrastructures. C'est un historien du paysage qui s'appelle Pierre Bélanger, hein, qui a une formule assez séduisante qui ne plairait pas à nos amis ingénieurs, mais je ne me souviens plus. C'est la fin de l'urbanisme ponts et chaussées. Hein. Il a fait un article, c'est une formule qui a dans un de ses articles qui date d'une dizaine d'années et qui questionne justement, hein, ce territoire infrastructurel
questionnée par l'urgence environnementale. Donc premier axe de la critique environnementale, deuxième axe technique. Donc la crise, parmi les trois crises d'infrastructure, il y a une crise qui est aussi technique, hein. Donc c'est tout simplement l'obsolescence ou la décadence de la durée de vie des systèmes, de ces grands systèmes techniques. Les infrastructures ont une durée de vie très longue, hein, mais elles sont aussi fragiles. Donc là, il y a une sorte de paradoxe entre la permanence physique de ces régimes techniques, hein, qui restent comme ça longtemps dans le paysage, hein, qui sont des objets assez, assez lourds, hein, qui impactent très fortement le territoire, et puis l'obsolescence technique qui les frappe. Donc c'est toute la question. Ah oui, je vous ai mis ces deux couvertures, dont les titres sont assez stimulants, hein. Fragile Foundation, hein, donc les fondations de notre société, bah, c'est les infrastructures, et elles sont aussi fragiles, et tout ça, c'est en tout cas celui qui est en violet, c'est un rapport du ministère des Travaux Publics, enfin, aux États-Unis, qui date de 83, l'autre de 1988, et puis l'Amérique en ruine, hein, The Decaying Infrastructure, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, la décadence, je ne sais pas si c'est le juste terme, mais on voit bien ce souci autour de l'obsolescence. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de papiers aussi dans la presse, ça concerne plutôt les infrastructures routières, mais avec tout l'effondrement des viaducs, là, on a vu ça assez récemment. Et c'est aussi la question de l'entretien, de la modernisation, du remplacement du réseau, de sections du réseau qui se dégradent. Et puis aussi la question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'entretenir tout ça, puisque c'est un héritage lourd. Et là, on en vient au troisième axe, qui est un axe qui est plutôt politique, puisque ces grandes infrastructures ont été bâties plutôt dans les années 40, 50, au lendemain de la guerre, c'est aussi tout simplement le statut de l'infrastructure qui, en tant que bien public, qui est en train d'être reconfiguré, et là il y a un changement de paradigme assez fort, hein, puisque l'idéal social de la grande infrastructure, comme édifice de service public, qui alliait économie d'échelle, performance technique, service de qualité par le plus grand nombre, etc., a été fortement déstabilisé par les capitaux privés de l'économie libérale, notamment, enfin surtout, clairement. Et donc, l'objet technique centralisé, hein, qui fonctionnait assez bien à cette échelle, quand il était bien bordé, eh bien, il est aussi en proie de nouveaux assemblages, hein, à cette crise, une crise politique, et à des déplacements de ce qui faisait sa valeur. Donc, derrière cette crise des infrastructures, c'est aussi une sorte de crise d'un service public, hein, qui pose les questions de sa refondation. Aujourd'hui, on parle beaucoup des communs. Il y a un très bel ouvrage suite aux actes de Cerisy en 2018, là, qui a sorti qui a fait un colloque à Cerisy qui était autour de la question des communs. Donc la refondation du service public à partir des communs, à partir des mouvements de remunicipalisation ou de déprivation à des échelles municipales ou régionales se multiplie. Il ne doit pas être perçu comme un... Enfin, parfois, ça peut être perçu comme un localisme de repli, mais on voit bien que ce n'est pas... Que c'est pas vraiment le sujet, ou des fois c'est aussi des tentatives de marginalisation. Voilà. Donc je parlais de ça. Ah oui, alors ça parce qu'on a... Marne, oui, parce que moi j'enseigne à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, je ne vous ai pas tout dit, j'ai quitté cette formidable école pour repartir dans une autre école formidable, mais qui est plus près de là où j'habite. Et à Marne, je fais partie d'une filière qui s'appelle Transformation, et on a un séminaire où on travaille, le séminaire s'appelle Ruse, Ruines et Refuges de l'Anthropocène, et on fait travailler des étudiants sur des objets, beaucoup d'objets infrastructuraux, obsolescents, et on a eu deux très beaux mémoires l'année dernière, je l'ai mis comme ça, parce que les étudiants c'est important, hein, c'est très important. Les accidents de la route, c'est une étudiante qui a fait son mémoire sur les viaducs, et sur l'objet viaduc, avec toute l'histoire architecturale aussi, puisque c'est des objets qui sont dessinés par des architectes et des ingénieurs, et un étudiant qui lui avait travaillé sur les centrales thermiques franciliennes qui aujourd'hui sont en train d'être démantelées. Si la question de la crise du public des infrastructures vous intéresse, vous pouvez regarder cette formidable revue. C'est l'école d'architecture ou le département d'architecture de l'Université de Columbia. La revue est partiellement en ligne, et ça c'est le numéro 7, je crois, qui date de l'année dernière, et qui est très éclairant sur juste ce dernier point, là, la crise de cet idéal de social de la grande infrastructure et de ses restructurations et de ses reconfigurations.
Alors, quelle heure est-il ? Je n'ai absolument aucune conscience du temps. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai quoi, 10 minutes encore ? Un quart d'heure ? Ok. Alors, cette crise des infrastructures, elle a aussi induit, enfin, un objet ou, enfin, oui, un objet ou en tout cas un système technique qui est assez présent dans le livre, qui fait un peu l'objet de, enfin, d'un ou deux chapitres. C'est la notion de micro-réseau, j'en dirai un mot tout à l'heure, de centrale de plus petite échelle. Et l'ouvrage essaie aussi de regarder comment, à des échelles urbaines, architecturales, les infrastructures se transforment et se reconfigurent. Ça pose aussi la question des hiérarchies, de gouvernance, etc., etc. Donc changement de paradigme, hein, changement d'échelle, qui est issu hein, directement de ces trois crises que je viens d'évoquer et de... voilà. Alors j'essaie d'accélérer un peu. Et la question que je voulais poser dans le dernier point, qui est le quatrième point, qui s'appelle transformer les infrastructures. Donc on a évoqué la question de la crise du modèle des infrastructures LTS, hein, dont l'idéologie aussi, ou en tout cas, ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Comment, et ça c'est une question qui nous intéresse en école d'architecture, hein, comment la transformation de l'infrastructure peut être vecteur de projet. On travaille là-dessus en atelier de projet à Marne, notamment autour de l'objet central, hein, cette année, l'année dernière aussi, sur les data centers l'année dernière. Puisque pour l'électricité, notamment, hein, depuis la fin des années 90, hein, on a des systèmes énergétiques aussi alternatifs aux grands réseaux centralisés traditionnels hein, qui émergent en Europe comme aux États-Unis. Enfin, il y a une sorte de reconfiguration un peu complète, hein, assez forte, à la fois des modalités de gouvernance, mais aussi des systèmes techniques qui est en place, hein, qui est questionné. C'est ce que Olivier Coutard appelle la ville post-réseau, entre guillemets, hein, quand on essaie de repenser de nouveaux espaces réseaux qui sont des hybridations, des interconnexions, comment on arrive à penser une sorte de diversité infrastructurelle aujourd'hui qui nous permet aussi de consommer localement et de produire localement à partir de certaines ressources. Quelle forme tout ça, ça a comment ça vient s'inscrire dans le territoire? Ça pose des questions spatiales très spécifiques. À Londres notamment, si vous regardez aujourd'hui les quatre plus gros projets urbains, on va en citer que deux, ça ira plus vite, Greenwich Peninsula et puis King Cross, Saint-Pancras, au centre des projets urbains, vous avez des centrales de production, de cogénération ou de trigénération, qui sont des espaces publics, vecteurs d'urbanité, accessibles, etc. Et c'est aussi une façon, bien sûr, pour la ville d'afficher, on fait la transition énergétique. Donc derrière, il y a toute une question aussi autour du marketing urbain qui faut questionner. Mais c'est une question de projet, hein, et dans ce... donc des agences hein, qui aujourd'hui se spécialisent aussi de plus en plus autour de ces objets. Donc transformer les infrastructures sont en pleine transformation, en tout cas on questionne leur transformation, et le changement touche autant, on pourrait dire, les ressources hein, extraites, transformées, diffusées, que l'échelle des objets techniques, ou le public, ou les publics des infrastructures. Alors, pour cette dernière partie là que j'essaie de faire très vite, transformer les infrastructures, on pourrait dire qu'il y a un peu trois hypothèses de transformation. La première, c'est le changement de l'usage, hein, changer l'usage. La transformation des infrastructures à une ancienneté, hein, on pourrait revenir à des projets assez célèbres, hein, ici je ne le détaille pas, Cédric Price, qui voulait transformer toute une des premières sections ferroviaires en université, sur rail, etc. Donc on est dans les années 60, hein, donc depuis finalement la crise d'un certain nombre de territoires industriels des années 60, la question de la transformation des infrastructures s'est posée, hein, c'est pas une question nouvelle, ici c'est sur le ferroviaire. Et donc changer l'usage, et on voit qu'il y a les interfaces anciennement, enfin productives ou de transport. Alors attendez, je vais prendre un exemple. Alors en plus, mes diapos ne sont pas dans le bon sens. Ah voilà. Emesher Park. Je voulais prendre celle-ci pour ma première hypothèse, changer l'usage.
Emescher Park dans la vallée de la Roure. Là, on est vraiment sur culturalisation, patrimonialisation. On est dans le registre de l'économie récréative. Hein. Il y a encore certains sites qui sont productifs, mais il y a eu énormément de financements européens dans le cadre de ce grand projet qui est très connu, qui fait partie des exemples souvent cités quand on fait un peu cette histoire-là. Et là, vous avez un ancien terril hein, qui a été transformé en piste de ski. Vous avez des piscines dans d'anciens gazomètres, enfin. Donc on a vraiment toute une économie créative hein, qui vient pénétrer ces espaces-là et les transformer, donc changer l'usage. Ça, c'était mon premier point de cette hypothèse de la transformation. Le deuxième point, c'est réconcilier et rapprocher. Alors, réconcilier et rapprocher... Hop là... J'avais plusieurs exemples, mais je vais prendre celui-là parce qu'il est très parlant. C'est Barcelone, le Forum Énergie qui a été dessiné et créé en 2004. Et là, c'est toute la section est du port de Barcelone hein, qui correspondait à une ancienne zone industrielle sur laquelle il y avait justement des infrastructures. Donc là, il y a un choix qui a été fait. Hein, la municipalité... a décidé de garder la dimension productive de ces objets. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai pas de... Les gens chics ont des petits trucs qui peuvent vous montrer. Là, moi, je n'ai pas, mais... Donc là, vous avez... Ah non, c'est... Ici, un immense panneau solaire monumental qui a été construit. Juste derrière, ici, là, vous avez un centre d'assainissement des déchets. Ici, une autre usine d'incinération des déchets qui fait aussi de l'électricité, et il y a aussi un moteur de cogénération. Et puis derrière, ça c'est une ancienne usine qui aujourd'hui est à l'abandon. Mais ce qu'on voit ici, et ce qui est intéressant, c'est que les objets d'énergie ont été vraiment pensés comme des espaces publics. Et on peut dire qu'on passe d'une infrastructure tuyau à une infrastructure espace public. Hein. Les gens se baignent devant la centrale, vous avez un super parc juste tout autour. Enfin, en termes d'aménagement urbain, c'est assez intéressant. Si vous allez à Barcelone, vous pouvez prendre des vélos, là, et vous balader, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à voir. Et là, on voit que la question qui se pose, c'est celle de réconcilier, pacifier un petit peu cette coexistence. Donc on garde la fonction productive de l'infrastructure, mais on essaie de venir aménager les contours. Donc ça c'est mon deuxième point. Et puis le troisième point, c'est de nouvelles infrastructures. Ah bah oui, alors ça j'ai pas le temps, hein, c'est formidable, mais j'ai pas le temps, c'est comme ça. Ben vous achèterez ça, hein, voilà. Je suis aussi là pour faire la pub, hein, ou vous le consulterez à la bibliothèque. Les premières infrastructures renouvelables... de France, un magnifique objet dans les Pyrénées, parce que de nouvelles infrastructures ont été pensées dans ces années-là, hein, en 1976, réfléchir à la façon dont les énergies renouvelables pouvaient constituer, à une échelle qui n'était pas celle de la petite entité domestique, mais à des plus larges échelles, hein, des objets productifs, hein, donc faire du renouvelable des infrastructures qui pouvaient se mesurer en termes de production à un barrage hydroélectrique ou à un autre type de centrale, ça a été une gageure. Et ici, on a la première centrale Témis, hein, qui est la première centrale solaire à être raccordée au réseau électrique en 1976, qui sera arrêtée dans les années 80. Mais en tout cas, hein, la réflexion, hein, on a ici, disons, un nouvel objet infrastructurel qui émerge dans ces années 1970, Marion Chauvin, qui a fait sa thèse architecte sur le solaire en France, et qui raconte aussi l'échec, notamment, et l'arrêt de cette histoire du solaire. Donc ça, c'est ce point sur les nouvelles infrastructures. Donc là, c'était juste un petit pas de côté historique. Donc un certain nombre de figures hein, de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, ici Jeanne-Marie et Georges Alexandroff, hein, tous les deux architectes, enseignants à l'école d'architecture de la Villette, dans ces années 1976, hein, travaillaient sur des monuments énergétiques multifonctions. Vous avez en bas l'éolienne, château d'eau, réflecteur solaire, et tout un tas de choses passionnantes que ces deux personnalités ont réalisées. Donc il y avait quand même une pensée du renouvellement des infrastructures. Hein. On peut en trouver quelques exemples, mais des exemples très rares. Hein. Si on essaie de retraverser, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, et de repérer à quel moment
les infrastructures essaient de se constituer, enfin en tout cas on essaie de penser d'autres infrastructures, d'autres types d'objets. Le corpus est pas évident, il est assez mince, mais en tout cas ça en fait partie. Et puis c'est vraiment dans les années 90 plutôt, ici en Autriche, en Suisse, que la centrale de petite échelle, de cogénération, biomasse, etc., va se développer. Donc vraiment années 90, hein, là on commence à voir pas mal d'exemples. Hop là, je passe. Ça peut se faire à des toutes petites échelles, mais aussi à des échelles beaucoup plus vastes. Et ici on a un exemple là-haut, là on pourrait dire qu'il relève un peu de la Disneylandisation des objets d'énergie. Hein, c'est le groupe Big qui a construit une centrale de cogénération. On est à Copenhague. Alors Copenhague qui a l'objectif d'être neutre en carbone en 2020 et complètement autonome énergétiquement. Alors c'est tout. Ça, c'est, en termes d'échelle, Copenhague c'est beaucoup plus réduit que la France ou d'autres pays, donc ils ont de bonnes chances d'y arriver. En tout cas, ils ont mis en place des politiques énergétiques et de planification énergétique assez ambitieuses depuis la fin des années 90, notamment avec la réalisation d'un certain nombre d'objets, et donc celui-ci, hein, le choix de réaliser une centrale de cogénération avec une piste de ski sur le toit. Alors là, bon, vraiment, l'objet est à moitié obsolète, hein, c'est une proposition de Big, donc ça a été un coup de pub énorme, hein, ça a été dans tout un tas de revues d'histoire de l'architecture, mais aujourd'hui la centrale tourne à 40% de ses capacités, et aussi il y a un autre souci, c'est que comme la ville veut être neutre en carbone en 2020, bah, du coup l'incinération et la production de déchets est en train de réduire drastiquement. Du coup on a un surdimensionnement de l'infrastructure, donc là ça pose aussi des questions en termes de politique publique, de planification énergétique, de planification urbaine, et on voit que tout ça est assez complexe pour les villes, mais en tout cas c'est un objet qui est intéressant à analyser. Là je vous fais ça très rapidement, mais c'est une étude de cas qui est assez intéressante. Et puis en 3 minutes, on parlait des nouvelles infrastructures, de nouvelles infrastructures. Et je vous ai mis là, on est plus sur des micro-réseaux. Alors qu'est-ce que je voulais raconter avec ça? J'ai pris 2 exemples à New York, parce que New York, l'état de New York, c'est un territoire aujourd'hui qui est extrêmement intéressant, et c'est assez paradoxal, on pourrait dire, puisque c'est là où la libéralisation du marché de l'énergie a été la plus violente, hein, si on compare même par rapport à l'Europe. Et finalement, ça donne des exemples qui sont extrêmement divers, variés, voire opposés. Puisqu'on parle de l'électricité, il faut savoir que les réseaux électriques aux États-Unis sont en très mauvais état. Enfin, il y a 3 grands réseaux. Bref, il y a eu une baisse très forte d'investissement public depuis le milieu des années 90. En Europe, on a des réseaux beaucoup mieux structurés et beaucoup plus forts. Et donc, comme ces réseaux étaient extrêmement fragiles, hein, notamment à New York, on a tout un tas de coupures, hein, assez systématiques, qui concernent notamment certains quartiers plus que d'autres. Vous vous souvenez de l'ouragan Sandy, qui a mis dans le noir plus d'un tiers de la population new-yorkaise en 2013. Et suite à Sandy, l'État de New York a lancé une politique super volontariste de micro-réseaux et de lieux d'expérimentation, de production énergétique. Donc vous avez un micro-grid programme qui a été financé, extrêmement financé, à l'échelle de tout l'État de New York, avec tout un tas de projets pilotes. Et parmi les projets pilotes, on va à la fois trouver l'exemple du Bronx, où c'est passionnant en termes, historiquement, c'est des bâtiments qui sont construits dans les années 60, immense précarité énergétique, projet de rénovation urbaine dans les années 2008, et il y avait historiquement sur le site une centrale qui produisait un petit peu, mais pas énormément. Et dans le cadre de la rénovation énergétique du quartier, il y a une coopérative qui s'est montée, qui a mis des nouveaux moteurs, des nouvelles machines, etc. Parce qu'ils en avaient ras-le-bol aussi d'être... Ils étaient dans une zone assez fragile, donc ils subissaient assez systématiquement des coupures électriques. Donc il y a vraiment une mobilisation de la communauté habitante pour faire pression au moment de la rénovation énergétique. Ils ont eu des financements, et pour donc rénover aussi la centrale, et il y a une production de 40 MW, alors je ne sais pas, ça vous dit peut-être rien, mais en gros, ça assure l'autonomie électrique à 90% des 10 tours d'habitation du quartier. Donc il doit y avoir, je ne sais pas moi, 30 000 personnes, quelque chose comme ça, c'est assez immense, 30 000 personnes, bon, 10 tours.
Donc là, voilà, mobilisation, une coopérative énergétique. Ils ont créé un micro-réseau privé. En France, c'est pas possible, puisque Enedis a le monopole, et en Europe aussi, puisque c'est des réglementations européennes. Mais là, on a un exemple assez intéressant, c'est-à-dire que, enfin, il y a aussi une organisation très spécifique, très complexe. Mais l'argent qui est récupéré avec la vente de l'électricité permet aussi de faire baisser les factures. Enfin, il y a toute une dynamique enfin, sociale assez, assez intéressante. Je ne détaille pas, mais vous comprenez le principe. Et j'avais mis en écho un autre projet, Hudson Yard, où là, c'est de l'immobilier de luxe, mais au cœur de New York. Il y a la High Line qui passe juste autour. Et ici, on voit finalement que l'objet, ou en tout cas l'outil micro-réseau, ce dispositif et ce système technique, peut être appliqué à des situations urbaines radicalement différentes, hein, puisque là, c'est la plus grosse opération d'immobilier privé que la ville ait connue. Hein, il y a des bureaux, tout un tas de choses. Et ici, l'idée, c'est d'assurer l'autonomie énergétique, hein, et ça fait grimper le prix de vente des immeubles. Hein, le mètre carré est déjà extrêmement cher, en disant, bah, si demain il y a un ouragan, ou si demain il y a quoi que ce soit, vous aurez une autonomie énergétique pendant 72 heures, etc., etc. Donc là, c'est à destination, c'est de l'immobilier de luxe, hein, donc c'est à destination d'une certaine catégorie de population. Donc on voit bien que quand on parle d'autonomie énergétique, hein, politiquement, ça peut être dans des situations assez diverses. Ah ben ça, c'est ma dernière image. Donc je vous donne des grains un peu comme ça, hein, c'est peut-être un peu bordélique, mais comme ça, vous direz, ah, mais qu'est-ce que c'est? Je veux en savoir plus. Peut-être vous irez regarder le livre. Parce que tout ça se passe... tout ça se passe en ville, hein. Je vous ai montré ces problématiques de relocalisation, d'autonomie énergétique dans des tissus urbains très denses. Moi, c'est plutôt ce que j'avais regardé, puisqu'il y a plus de travaux qui avaient été faits dans des zones enfin, rurales notamment. Et là, pour finir, je mettais juste cette image pour dire qu'il y a aussi beaucoup de choses passionnantes en zone rurale. Ici, c'est en Allemagne. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les travaux de Laure Daubigny. Laure Daubigny, qui est chercheuse, qui est enseigne à Lausanne et qui a fait sa thèse sur les communautés rurales autosuffisantes, une analyse comparative entre l'Autriche, la France et l'Allemagne. Et ce qui est assez intéressant dans ses travaux, ce qu'elle montre, hein, sa thèse, finalement, c'est que quand il y a un minimum d'implication, c'est pas forcément une implication habitante, mais en tout cas quand il y a un souci autour des questions énergétiques, il y a une baisse des consommations. Donc c'est aussi rattaché à une sobriété, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'exemple new-yorkais que je vous parlais d'avant là, avec les grandes tours. Mais ce souci de sobriété, par contre, on le retrouvait dans le Bronx. Donc on voit qu'ici, enfin, la question de l'autonomie énergétique, elle peut être servir des projets assez différents. Conclusion, une minute. Donc les projets que j'ai essayé de vous présenter ici, il pose un certain nombre de défis, hein, pour le cadre énergétique existant. Il questionne aussi un certain nombre de conditions qui sont requises, hein, pour que ce cadre évolue, hein, des stratégies d'intégration spatiale, des outils et des cadres réglementaires, juridiques, hein, puisque tout ça est extrêmement compliqué. Donc tout ça est en place, hein, pour peut-être réfléchir à d'autres types d'espaces réseau, ou en tout cas penser plus une diversité infrastructurelle, hein, puisque c'est vraiment ça, s'il y avait quelque chose à retenir, cette question de la diversité infrastructurelle. C'est aussi une forme d'adresse, hein, aux architectes et aux urbanistes, puisque c'est bien aussi une question d'architecture et d'aménagement. Et donc ces expériences ici, hein, de décentralisation, en tout cas le renouvellement structurel autour des objets de l'énergie et des réseaux, hein, redessinent, on pourrait dire, des géographies socio-techniques, et montrent que les changements de forme technique et d'échelle des infrastructures sont des leviers de changement, à la fois spatiaux, mais aussi politiques, hein, puisque l'architecture de l'infrastructure, on pourrait dire l'architecture de l'infrastructure, peut être entendue, hein, comme la mise en espace d'une économie de prélèvement, hein, de l'organisation des nécessités vitales, qui renvoie à optimiser les conditions matérielles d'existence. Donc ça, c'est matérialiste aussi comme approche. Voilà, c'est terminé. Ça va, il nous reste 20 minutes. Alors c'est la première fois que j'essaie comme ça de résumer l'ouvrage, hein, c'est pas évident. Merci beaucoup Fanny pour cette interrogation sur
les grandes infrastructures qui nous ramènent à la grande déconnexion, finalement, plus ou moins. Je ne sais pas. Donc, on a quelques. Voilà, un quart d'heure à peu près pour les questions. Ben merci beaucoup pour cette présentation qui est passionnante. Et moi j'avais une question sur un des aspects qui apparaît peut-être moins dans la présentation. J'ai pas encore ni acheté ni lu l'ouvrage qui est aussi issu d'un échange que j'ai eu pendant 2 ans avec un étudiant en France sur son mémoire et sur avec son PFE. Un étudiant en master et qui Faut que je monte ma main. Voilà. Là. Donc je ne bouge plus ma main et je ne bouge plus le micro. Et on avait abouti au fil de cet échange à poser comme question par rapport à l'énergie l'enjeu de en termes d'appropriation de l'énergie, l'enjeu de la tangibilité et de la compréhension du processus de production énergétique. Qui fait quelque part aussi référence au rapport qu'on peut avoir, notamment à l'électricité, je pense à la fée électricité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de magique, on ne comprend pas comment ça se produit, comment ça marche, en fait, quelque part. Et est-ce que dans ton exploration, tu as pu voir des projets qui se posaient la question architecturale à travers la compréhension du processus de production? Parce qu'on voit dans beaucoup de projets que ce sont de belles boîtes, finalement, qui emballent de manière plus ou moins élégante, des machines. Mais on ne comprend pas et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. En fait, est-ce qu'il y a des architectes, des architectures qui posent cette question-là? Oui, alors il y en a à différentes échelles, mais oui, ça c'est un souci, ça fait partie quand même des arguments, j'ai l'impression, autour de ces questions de transition énergétique, relocalisation, changement d'échelle, rendre aussi les consommations à la fois plus visibles et compréhensibles, c'est aussi une façon d'aller vers plus de sobriété, parce que le but c'est pas juste d'avoir des approches technosolutionnistes et des nouveaux objets qui font de façon plus efficiente de l'énergie, puisque tout ce qu'on gagne, c'est quoi? C'est le paradoxe de Jevons, hein. Dès qu'on gagne en production d'énergie renouvelable, en fait, c'est juste de la consommation en plus. Enfin, il n'y a jamais de réduction. Et ça, Laure Daubigny, elle a assez bien montré dans sa thèse, en tout cas dans les groupes, elle, qu'elle a observé. Alors, après, ça dépend comment les projets sont portés, mais on voit des exemples différents. Et chaque fois, j'ai essayé de faire un peu le jeu, comme là, j'ai montré dans le Bronx avec, d'un côté, Hudson Yard, voir les habitants, ça leur passe complètement à côté, mais en tout cas, ils ont l'assurance d'avoir une autonomie électrique s'il y a un pépin pendant 3 jours. Et de l'autre côté, le Bronx, où des gens en coopérative se réorganisent parce que comprendre le système technique et à la fois en termes de ce qu'on va mettre dans la machine, mais en termes de productivité, c'est aussi ce qui va faire baisser leurs factures, et l'argent qui est gagné en plus, on va pouvoir l'investir dans d'autres projets. Il y a aussi un capital économique autour de l'infrastructure qui est réinvesti. Il y a des exemples aussi à Londres dont je parle, je vous ai parler des 2 plus grands projets urbains. À côté de ça, il y a un groupe, une grande coopérative qui s'est montée, qui s'appelle Repowering London, avec le titre qui est assez beau, et là qui intervient surtout dans des quartiers d'habitat social, des bars années 60-70, qui luttent contre la précarité énergétique avec des dispositifs assez simples, venir coller des trucs autour des fenêtres, et puis à côté de ça, qui fait des petites installations de petites centrales solaires ou de petites centrales de cogénération, avec tout un travail avec les habitants de formation. C'est eux qui ils ont des formations pour installer les dispositifs. Donc là, il y a vraiment ce souci-là qui est fort, et ça, on le retrouve dans pas mal de projets partout en Europe, aux États-Unis, partout où ces questions se posent. Pour les territoires du Sud, c'est Sylvie Jaglin qui travaille aussi là-dessus, mais c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, oui, c'est un souci assez fondamental, et on a pas mal d'exemples. Oui. Mais est-ce que les architectes en font des questions d'architecture? Est-ce que ça fait partie des... Au-delà de la belle boîte, est-ce qu'il y a des exemples de cette mise en architecture, à l'exemple de l'architecture parlante du 18e, est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on fait parler les machines? Moi j'ai surtout l'impression que... Alors après, comme techniquement tout ça est quand même très compliqué, qu'il y a des dispositifs de sécurité, de sûreté et tout ça, qui fait que tout le monde peut pas aller voir en permanence, soulever la trappe pour voir ce qui se passe, mais quand même, si on a des exemples, alors après, je sais pas si c'est les archis ou les ingénieurs qui ont pensé à ça, moi là j'ai pas le nom d'architecte précisément. À Woking, à un moment donné, il y a
toute une façade vitrée qui donne sur la machine et sur le cœur fumant là, de la centrale de cogénération dans la ville de Woking, qui a construit 80 micro-réseaux privés pour contourner la loi qui interdit de connecter des micro-réseaux privés à des résidentiels. Très intéressant d'un point de vue réglementaire. Donc là, il y a cet exemple-là, mais c'est des dispositifs de mise en visibilité. Ou alors l'exemple, moi, que je trouve le plus intéressant, c'est celui de Barcelone. Parce que là, on est vraiment très proche. On est vraiment très proche, on va vraiment pique-niquer à côté de la centrale. C'est des espaces qui sont ouverts. C'est après les dispositifs des centrales nucléaires, même si c'est une autre époque et si c'est un autre âge, il y a un souci de la part des architectes et de la direction d'EDF. En fait, c'est amené au plus près. Donc ça, c'est ouais, les dispositifs architecturaux. Mais entre ça et l'exemple aussi, mais les choses ne sont pas... L'exemple à Copenhague, là, avec Big, qui construit sa piste de ski, alors il a pensé, ça a été très compliqué à mettre en place, mais il y a une cheminée, et chaque fois que X tonnes, alors je ne sais pas si c'est 8 tonnes, de déchets sont brûlés, il y a un immense anneau de fumée qui se déploie et qui monte comme ça, et donc c'est censé, mais c'est vraiment dans les descriptifs du projet, raconter à la population que X tonnes de déchets ont été brûlés. Et donc cette cheminée a été un enjeu, pour le coup, architectural assez, assez complexe. Donc on trouve un peu comme ça des détails, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui se pose aussi maintenant, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très contemporain, mais pas assez en tout cas probablement. C'est une question peut-être qui rebondit aussi un petit peu sur la remarque de François, parce que je me suis posé la question de cette collaboration, on pourrait dire, architecte-ingénieur, notamment tu montrais un exemple d'un élève de Perret, mais plus tard c'est la même chose quand c'est Dufault. Moi je pensais aussi à Arsène Henry dans ses mémoires, je pense qu'il a construit des centrales nucléaires. Enfin, tous ces gens-là, ils ont fait des centrales nucléaires, mais ils n'étaient vraiment pas formés pour le faire. Et on voit bien qu'ils font effectivement une réponse architecturale, notamment bah, l'élève de Perret, il fait un bâtiment très perretien. Mais voilà, je ne sais pas quel est leur degré d'implication sur la dimension vraiment technique de ces programmes, effectivement assez, assez complexes. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus sur la collaboration architecte-ingénieur, d'une certaine manière, parce que j'imagine que c'est ça qui est... J'ai l'impression que le cas le plus... Enfin, c'est Claude Parent, quoi. Enfin, l'exemple le plus manifeste où on voit bien les centrales, là, enfin, dans l'architecture du nucléaire et les autres, et puis au final, ce que ça donne, on se dit ah oui, c'est Parent. Et puis donc, où finalement, ben, l'ingénierie l'emporte parce qu'à un moment donné, enfin, c'est de la productivité et il faut que ce soit efficient et le reste, ça colore un peu l'imaginaire. Mais Et après, bon, j'ai remis ça répond aussi à ces deux questions. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-François Capeil qui essaie de travailler un peu ces questions et ces sujets, en tout cas des agences assez clairement identifiées ou positionnées sur ces questions vraiment 100% infra avec des productions, c'est pas évident. Il y a la JSD Harvard là qui vient de publier un bouquin qui s'appelle sur la question des déchets et qui a fait toute une exploration architecturale et urbaine sur les centres d'incinération. Donc c'est un sujet, ils ont fait 2 semestres à Harvard là-dessus, et c'est aux éditions Actar, là, il y a un gros ouvrage, Replanète d'obsolescence, je ne sais plus quel est le titre, où ces questions sont un peu abordées, mais c'est vrai que, en tout cas, historiquement, dans l'histoire de l'architecture, on voit que l'ingénierie l'emporte quand même assez souvent, en tout cas sur le nucléaire. Après, j'avais une seconde question, mais plus de cuisine interne, parce que là, tu nous brosses une fresque, c'est passionnant, enfin, tous les éléments que tu apportes, mais du coup, ta manière de travailler à toi, c'est-à-dire, tu vas dans les archives d'EDF, je sais pas, c'est une question que je pose. Oui, ok. Ah oui, alors oui. Je suis allée j'ai passé beaucoup de temps aux archives d'EDF. J'ai passé beaucoup de temps aux archives d'EDF, après pas mal de terrains, pour les exemples de... Londres, enfin New York, Copenhague, enfin c'est des entretiens avec les services énergétiques de la ville, avec les architectes, avec les responsables de la planification urbaine, avec les entreprises et les opérateurs électriques, avec beaucoup d'entretiens et de terrains pour les projets contemporains, et après archives. Et c'est des archives d'accès facile, à la fois de manière pratique et à la fois sur le fond, enfin. Mais sur les archives, en tout cas, je réfléchis en même temps parce que j'ai pas... les archives d'EDF sont très faciles d'accès. Oui, faut envoyer un petit mail, dire sur quoi on travaille, vous sortez les boîtes. Oui, très facile d'accès. Le plus gros travail d'archives est sur la période nucléaire, en tout cas dans l'ouvrage. Et après, c'est plutôt, comme c'était des projets très contemporains qui étaient en cours de livraison. Enfin, je me souviens, la centrale de Big, je l'avais pris en photo, elle était en chantier. Dans le bouquin, j'ai voulu
mettre une image du projet réalisé, mais du coup il y a beaucoup de bâtiments que je suis allée voir en chantier, et donc c'est vraiment des choses qui sont assez en cours, enfin, c'est une histoire très récente. Donc là c'est beaucoup de terrain et d'entretien. Moi je rebondis sur les archives d'EDF, c'est EDF qui rend public une partie de ses archives. Oui, 7 rue du boulevard Ney, il y a je ne sais pas combien de kilomètres d'archives qui sont, qui sont dans des boîtes, qui sont classées, qui sont triées. Oui, c'est ça. Oui, qui sont très bien. Peut-être qu'ils ont opéré eux-mêmes un certain tri. Oui. Oui, non, c'est pas des archives personnelles, là, c'est des archives de l'entreprise qui est très soucieuse de ses archives. Donc il y a 3 archivistes qui bossent à plein temps là-dessus, c'est très... Et l'autre chose, c'est que je me demandais toujours, en écho aux questions que vous posiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas non plus un souci d'EDF ? Parce que c'est pas évident que la transparence du système technique soit donnée comme un objectif d'affichage. Parce que si on pense à Claude Parent, on pense exactement le contraire. Ça veut dire que c'est un objet plastique. On n'a pas du tout cherché. C'est plutôt dans la séduction d'un objet plastique que dans la transparence d'un phénomène technique. C'était pas du tout recherché. Donc je me demande s'il n'y a pas non plus, du côté du commanditaire lui-même, une volonté plutôt d'une expression symbolique ou esthétique, mais qui soit très aux antipodes d'une traduction technique. Complètement. Non, la question de la compréhension, elle est. C'est pas le sujet, quoi. L'idée, c'est que ce soit agréable, accessible, qu'on ait visité Chinon comme on va visiter les châteaux de la Loire, mais pas plus. Et pour. Un peu pacifier les contradictions, les luttes, étouffer les luttes, tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, EDF a des archives, mais vous pouvez pas toutes les sortir, ça c'est sûr. Moi j'ai pris des super photos de type avec des combinaisons incroyables qui sur le démantèlement de tout un tas de chantiers, on peut pas. C'est très joli, mais effrayant. Combinaison rose, comme ça, on dirait des barbes à papa, dans le cœur du réacteur. Alors ça aurait fait une super préfecture, mais c'est pas possible. Pas d'autres questions sur ta présentation? Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je me posais une question par rapport un peu à ce qui venait en amont de toutes ces décisions et de tout ce qui s'est fait et de comment ça a évolué. Et quelle était un peu la place du politique, enfin, qui avait décidé de promouvoir cette forme de production plutôt qu'une autre, et un petit peu de savoir... si c'était quelque chose qui resterait de l'ordre de l'ingénierie, du pratique, ou s'il y a des enjeux politiques derrière, de gestion du territoire et des choses comme ça. Toute la politique énergétique française, telle qu'elle se constitue dans les années 20, 30, 40, 50, surtout à partir des années, à partir du moment, c'est politique, c'est le service public, on pense les grandes infrastructures, on pense l'implantation sur le territoire, on voit la façon aujourd'hui dont, malgré tout, l'État reste très mobilisé avec EDF et Enedis pour soutenir, il y a du lobbying industriel, c'est soutenu par le politique. Le politique a une place majeure, ça implique à la fois comme réponse, mais du coup j'ai pas trop compris votre question. Est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'était juste... Est-ce que c'est une question peut-être que vous avez développée plus dans le livre, ou bien est-ce que vous vous intéressez vraiment plutôt à l'aspect technique ou... La question politique est centrale et c'est partout très présent, et on voit aujourd'hui comment certaines municipalités ou collectivités se mobilisent en termes de production pour prendre la main. Il y a un exemple aussi intéressant dont je parle, notamment à Berlin, quand le contrat de concession de l'usine électrique est arrivé à terme dans les années, je n'ai plus tous les chiffres en tête, 2008, quelque chose comme ça, il y a eu une fenêtre de tir là, et le Sénat à Berlin a décidé, il y a eu deux coopératives citoyennes, mais qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes qui se sont mis en place. D'un côté, une des coopératives voulait racheter le réseau,
carrément. Donc ils ont réussi à ramasser, je ne sais pas, plus de 5 millions d'euros, des chiffres assez importants. Et l'autre partie, une partie voulait le racheter et l'autre partie voulait que la ville le remunicipalise. Donc ça a été et tout ça a loupé à très peu, au niveau politique, mais parce que ça a été voté, etc. Il y a eu un référendum, beaucoup de choses. Mais malgré cet échec, ça a participé à impacter un petit peu la politique énergétique du Sénat de Berlin, de Berlin, etc. Donc même ces échecs-là relatifs, entre guillemets, ont donné lieu à d'autres projets. Mais non, l'angle politique à la fois en termes de décisionnel, de gouvernance, de mobilisation citoyenne, etc., est très présent dans le livre. Et après, politiquement, en termes plus, on pourrait dire presque philosophie politique, quoi, au sens autogarantie des nécessités vitales, la question de l'invisibilisation, toutes ces choses-là, sont assez, assez présentes, oui. Je crois. Merci à vous.